Jésus est éclatant, le roi est éclatant, notre Dieu est éclatant,
Rakataraba Bradas Lord, contemplons-le, émerveillé, émerveillé. Mon Dieu, mon roi, Seigneur, je me prosterne. Mon Dieu, mon roi Yahweh, l'éternel Dieu, le Tout-Puissant. Au-dessus de tout, Yahweh, Yahweh, éternel mon Dieu, mon Père dans les cieux, tu es le plus grand. Au-dessus de tout, mon Père dans les cieux, mon Père élevé, mon Dieu, mon roi, c'est toi qui es. Au-dessus de tout, mon Dieu, mon roi, Dieu tout-puissant. Et Baba la Sente, Chokaria Braya Kare, tu es le plus grand. Mon roi, mon Dieu, Yahweh, Yahweh, mon Père qui est dans les cieux, au-dessus de tout tu es. Mon Créateur, Yahweh, Yahweh, mon Père dans les cieux, tu es au-dessus de tout. C'est toi qui es le plus grand, au-dessus de tout. Je veux dire Jésus, Jésus élevé, Jésus, mon sauveur, mon berger, c'est toi le plus grand, au-dessus de tout. Je dis Jésus-Christ, Rekatalare, Makakayabe, Chobarakate, ah, c'est toi le plus grand. Tu as reçu le nom au-dessus de tout nom. Jésus, 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 c'est toi qui es le plus grand. Au-dessus de tout, mon Seigneur Sauveur, toi mon Jésus, Jésus, Jésus Christ, Jésus Christ, tu es le plus grand. Au-dessus de tout, personne n'est comme toi. Il m'est semblable à toi, mon Jésus, mon berger, tu es le plus grand, au-dessus de tout, tu es le plus grand, tu es le plus grand, au-dessus de tout, tu es le plus grand, au-dessus de tout. Ebraya katara balende, shobara kataya ma balende, rakataya reba reba rese, ubara katere ma bayande, shorobara katara malase, ubaya katere malatande, shorobara ya katara rese, rokataya le ma le malende. Romaye baye, yoralene lande, rakataya mama mama selade, rukataya le mare barende. Le plus grand c'est toi, au-dessus de tout. Il n'est comme toi, au-dessus de tout. Le plus grand. C'est toi, tu es le plus grand. Reba baba, reba baba, reba baba, reba baba, reba baba, reba baba. Tu es élevé, tu es élevé, 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 élevé. Tu es élevé, 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 élevé,
au-dessus de tout. Élevé, élevé, tu es élevé, élevé, au-dessus de tout. Tu es élevé, au-dessus, au-dessus de toutes choses, au-dessus de tout problème. C'est toi qui es élevé. Au-dessus de toute situation, au-dessus de toute circonstance, au-dessus de toute utilité, au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute domination, au-dessus de toute puissance, au-dessus de tout, au-dessus de tout roi, au-dessus de toute force, tu es plus grand que tout ça, au-dessus de tout, tu es élevé. Au-dessus de tout, Rekataya, Rekataya, Reba Baba Soloma, Iriada Lere Bagatia. Au-dessus de tout, tu es élevé. Reba Baba, Reba Baba, au-dessus de toutes choses. Toi, la gloire est à toi, la puissance est à toi, tout se prostre devant toi, tout te rend hommage. Ah mon Dieu, ah mon roi, ah Jésus, ton sauveur, Rebaya Mama Solabaya, Rokataye Mana Sofriabe. Chora kataya la lemita be, suruba ya kata rabra ya dalaha, suruba kata raba kade be 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 be, suvara kataya la mate be 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 be, rokataya raba be 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 be, rakataya bara mate be 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 be, shabara lobre, shabra ya lore, shaya la lore. Ebraia, so kita la la la.
Merci Saint-Esprit pour ce moment que tu nous donnes dans ta présence. Merci pour cette première journée de jeûne. Ô Dieu des cieux, nous te rendons grâce pour toutes choses. Saint-Esprit, nous nous confions à toi afin que tu nous conduises dans ce temps de parole et de prière. Ô Dieu des cieux, tu nous as donné ce thème déprogrammer et reprogrammer et programmer l'année 2023. Déprogrammer les yeux des ténèbres et programmer. Seigneur, nous nous remettons à toi. À toi seul soit la gloire et la louange au siècle des siècles. Saint-Esprit, tu es là. Saint-Esprit, conduis-nous dans toutes choses, dans tout ce que nous allons dire et faire. Dirige-nous, Esprit du Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Quelqu'un donne un bon amen. Amen. Dis avec moi, déprogrammation. Programmation. Amen. Alléluia, que le nom du Seigneur soit béni. C'est le thème général de nos 7 jours de jeûne. Nous voulons prendre 7 jours pour chercher la face du Seigneur, 7 jours. Amen. Alléluia. Je veux dire à tous que le carnet des sujets de jeûne est disponible. Il est disponible en ligne. Amen. Voilà, on a fait il y a juste quelques imprimés. Je ne crois pas qu'il y en ait beaucoup. Mais donc il est gratuit en ligne. Il faut donc ce carnet que je tiens là, il est disponible donc sur les plateformes WhatsApp. Et puis je crois que là, comme vous allez afficher pour tous ceux qui sont en ligne, comment ils peuvent faire pour avoir leur carnet et pouvoir prier avec les différents sujets, méditer les différents textes. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Alors, tu veux là dans l'introduction de l'ouvrage, dans l'introduction du carnet de prière, que ce thème-là, l'Esprit du Seigneur l'a mis dans moi depuis déjà plusieurs mois. Plusieurs mois, lorsque nous avons envoyé une de mes filles, des sœurs de l'église, aller réserver une salle quelque part, et en partant, arriver là-bas, on lui a dit, mais les jours que vous avez demandé, on cherchait un vendredi quelque part, on dit, mais tous les vendredis, sont occupés, et on était quelque part en novembre, et on dit non, tous les vendredis sont occupés pendant tout le jusqu'à la fin de l'année, tous les vendredis sont occupés, et ça va faire beaucoup d'argent pour louer cette salle-là tous ces jours-là, et ceux qui occupaient la salle ne l'occupaient pas par rapport à des œuvres occultes, parce que c'était une réunion mystique. Et quand elle est restée, je dis, waouh, mais pourquoi?
3 mois avant la fin de l'année. Et c'était lié par rapport à la fin de l'année. Donc, les esprits avaient compris que non, en fait, ils sont en train de préparer l'année 2023. Donc, ils ont pris tout le dernier trimestre pour déclarer des choses, pour faire des incantations, pour appeler des esprits. La plupart des personnes, c'est vrai, ne vont pas faire dans le but de faire du mal, selon eux. Mais dans le but d'invoquer des esprits pour s'enrichir, dans le but des planifications politiques, dans le but de toutes sortes de choses, faire des incantations parce que je vais être élu, faire des incantations parce que je veux ceci. En tout cas, bref, je ne sais pas quels sont les sujets. Et nous savons que lorsque on appelle des puissances pour pouvoir diriger, dominer, s'enrichir ou quoi que ce soit, on fait entrer dans le monde des vivants, dans le monde des terrestres, des puissances qui ne sont pas innocentes, des esprits méchants. Jésus a dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair et contre le sang, mais contre différentes sortes d'esprits. Et il va dire contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Des esprits qui sont foncièrement méchants, c'est-à-dire qui planifient le mal, la destruction, la mort, les maladies. Quand vous voyez certaines personnes, lorsqu'on elles souffrent dans leur corps et que vous voyez que ce sont des démons qui sont derrière vous, vous ne pouvez pas imaginer leur méchanceté, leur... Ils prennent du plaisir à voir de la souffrance. Et c'est ce genre d'esprit-là que ces personnes ont invoqué pour programmer, selon eux, l'année 2023. Alors, dès l'instant où j'ai vu ça, j'ai commencé à prier. Mais cet esprit, comment on s'oriente? Alléluia. Amen. Et là, progressivement, l'Esprit du Seigneur va disposer ces 7 jours de jeûne. Amen. Ne vous inquiétez pas, ils ont pris 3 mois, tout ce qu'ils vont faire, voilà. Nous, en 7 petits jours, on déprogramme tout ce qui a été programmé sur les vies des personnes, sur le pays, sur les nations. Nous sommes venus pour déprogrammer, c'est-à-dire réécrire le script. Réécrire le script. Et ce que ces gens-là font pour des pays, pour les nations, pour des villes, il y en a plusieurs que dans les secrets, dans les ténèbres, des personnes planifient. Vous le savez tous, on le sait tous, que la fin de l'année est une période sujette à des sacrifices et les débuts d'année à des sacrifices. Tout ça, ce sont les objets ce sont des programmations. Certaines personnes dans les ténèbres programment la maladie, programment de couler du sang, programment des accidents, programment l'échec. Vous savez, la Bible dit que Satan est un voleur. Satan est un voleur. Et je l'explique souvent, le diable est un esprit, il ne vole pas l'argent physique, il ne peut pas voler ta voiture. Si la Bible dit qu'il est un voleur, c'est qu'il vole quelque chose qui n'est pas matériel. Il vole des choses qui ne sont pas matérielles. Alors dans cette période de fin d'année, c'est une période propice où des personnes vont, pour pouvoir réussir l'année qui va suivre, vont venir voler l'intelligence, la sagesse, l'étoile de certaines personnes. Ils vont essayer de capturer cela, de voler cela. Satan ne peut pas donner une promotion, par exemple. Toute promotion vient de Dieu. Par contre, il peut voler la promotion de quelqu'un. Je ne sais pas si vous comprenez. Alléluia. Satan ne va pas voler tes billets de banque, mais il peut te voler la capacité à créer des entreprises, à bâtir, à aller de l'avant. Donc cette période, pendant que les gens font les œuvres occultes sont en train de faire des programmations, sont en train de planifier leurs œuvres, Dieu nous appelle, nous, à venir déprogrammer cela et à proclamer, prophétiser. C'est ça l'objet de nos 7 jours de jeûne. Alléluia. Nous sommes venus pour préparer l'année 2023, pour prier, pour déclarer, pour annoncer les plans et les projets de Dieu qui sont des projets favorables, qui sont des projets de paix et non de malheur, qui sont des projets de paix pour la nation, paix pour les nations, paix pour les individus. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec toi dans le nom de Jésus. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Dans le livre de Ésaïe chapitre 7. Ésaïe chapitre 7. On va voir aujourd'hui, on va commencer à prier par rapport à un type de programmation. Et on va déprogrammer cela. Donc pendant les 7 jours de jeûne, je toucherai différentes façons pour l'ennemi de faire des programmations. Et tous ceux qui sont dans la salle, qui suivent ce programme de prière, tout ce qui a été forgé dans les secrets contre vous sera annulé. Non seulement pour vous, mais vous devez le faire pour votre famille, vous devez le faire pour vos proches, vous devez le faire pour votre pays, vous devez le faire pour votre ville.
Vous devez le faire. Vous devez le faire pour vos carrefours. Il y a des carrefours, les gens vont faire des programmations d'accidents. Vous devez aller déprogrammer cela dans le nom de Jésus-Christ. Il ne faut pas dire, je ne suis pas concerné. Ça peut être un de tes cousins, un de tes parents qui veut passer par ce carrefour où les gens sont partis programmer là-bas un accident de circulation afin de recueillir du sang. Il faut aller là-dessus. Il faut déprogrammer cela dans le nom de Jésus-Christ et que les plans qu'ils trament dans les secrets soient nuls et sans effet dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Alléluia. Amen. Alors, dans le livre de Ésaïe, chapitre 7, on peut même commencer au verset 1, il est dit, « Il arriva du temps d'Achaz, fils de Jotham, et de fils d'Ozias, roi de Juda, que Retsin, roi de Syrie, monta avec Pekat, fils de Remalia, fils d'Israël, contre Jérusalem pour l'assiéger, mais il ne put l'assiéger. On vint dire à la maison de David, « Les Syriens sont campés en Éphraïm, et le cœur d'Achaz et le cœur de son peuple furent agités comme des arbres de la forêt sont agités par le vent. » Alors l'Éternel dit à Ésaïe, « Va à la rencontre d'Achaz, roi de Shéar, sa chose, ton fils, vers l'extrémité de l'aqueduc de l'étang supérieur sur la route du champ du Foulon, et dis-lui, sois tranquille, ne crains rien, et que ton cœur ne s'alarme pas devant ces deux bouts de tison fumant, devant la colère de Retsin et de la Syrie et du fils de Remalia. De ce que la Syrie médite le mal contre toi, de ce qu'Éphraïm et le fils de Remalia disent, montons contre Juda, assiégeons la ville et battons-la en brèche, et proclamons-y pour roi le fils de Tabel. » Alléluia. Alors on voit des personnes qui avaient, le verset 1 dit, ils avaient au début essayé de prendre la ville, mais ça n'avait pas marché. Après quoi, ils se sont levés encore, ils sont venus assiéger la ville. Ils sont venus assiéger la ville et ils ont commencé à faire des déclarations qu'on va prendre cette ville, on va la prendre, vous allez tomber. Et la population qui habitait a commencé à avoir peur, elle a commencé à trembler, le roi même a commencé à avoir peur et Dieu va parler au prophète. Alléluia. Aujourd'hui, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a parlé pour toi. Amen. Et Dieu va parler au prophète. Le prophète, Dieu va dire au prophète, va dire au roi, va lui dire avec le peuple d'être tranquille, d'être serein. Parce que ces personnes avaient planifié de voler le pouvoir royal. Ils avaient planifié d'installer quelqu'un. Ils avaient planifié des choses. Ils avaient planifié l'esclavage pour le peuple. Ils avaient planifié plein de choses négatives. Ils avaient programmé cela. C'était leur programme d'action. Et Dieu dit ceci par la bouche de son prophète au verset 7 maintenant. Nous allons voir au verset 7, il a dit quoi? Amen. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Alléluia. Vous avez planifié la mort, mais ainsi dit Dieu, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Vous avez planifié l'abaissement de quelqu'un. Nous déclarons dans le nom de Jésus, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Vous avez programmé la maladie dans le corps de quelqu'un, mais nous nous tenons dans le sang de Jésus et nous déclarons, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Vous avez planifié des accidents, mais nous nous tenons dans le sang de Jésus et nous déclarons, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Quelqu'un va se lever et l'Esprit du Seigneur est sur toi maintenant. L'Esprit de la prophétie est sur toi maintenant. Et pendant que tu vas prier, l'Esprit du Seigneur va mettre dans ton cœur un ensemble d'idées. Il y a des choses qui vont te venir. Tu vas penser que ce sont des idées, mais ce ne sont pas des idées. C'est tout simplement ce qui est tramé dans le secret, dans le but de détruire ta famille, de détruire ta vie. Donc pendant que tu vas prier, certains d'entre vous auront des flashs. Vous allez avoir des flashs. Pap, tu regardes comme ça. Tu vois ta maman, tu vois ton frère, tu vois ta soeur. Et puis dans le coup, tu peux sentir par l'esprit, voilà ce que l'ennemi veut faire. Il veut la rendre malade. De sorte que toute l'année prochaine, 2023, tu passes ton temps à l'hôpital avec ton fils, tu passes ton temps à l'hôpital avec ton enfant, avec ta maman, en train de payer constamment des soins. Tu dois t'arrêter par l'esprit et puis dire, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Un prophète de Dieu se lève, sentez par l'esprit, laissez-vous conduire par l'esprit et annulez et déclarez que ce qu'ils ont prévu n'aura pas lieu. Cela, Rebakata Rababrada Sorobara Lakenda Lama Braisa. Laisse-toi conduire, prophète. Laisse-toi conduire. Jésus a dit, dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils vont prophétiser. L'esprit de la prophétie est sur toi.
sans par l'Esprit de Dieu, la planification. Ils ont planifié que tu perdes ton travail. Ils ont planifié que ton foyer soit en difficulté. Ils ont planifié que tu ne sois pas marié en 2023. Ils ont planifié certaines choses. Mais tiens-toi dans le Dieu qui est élevé au-dessus de tout et déclare Ésaïe chapitre 7, verset 7. Je prophétise ce que vous avez dit là, ça n'arrivera pas. Ça n'aura pas lieu ici. Ça n'aura pas lieu dans cette famille. Ça n'aura pas lieu dans cette maison. Ça n'aura pas lieu dans mes affaires. Ça n'aura pas lieu dans ma maison. Ça n'aura pas lieu. Cela n'arrivera pas. Ah, Satan, je te le déclare. Sorcier, je vous dis, cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Cela n'arrivera pas. Vous êtes assis dans les ténèbres, planifiant des choses. Mais nous nous tenons dans le nom de Jésus et nous déclarons, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Vous vous tenez dans les ténèbres et vous planifiez la mort spirituelle. Vous planifiez l'abattement spirituel. Vous planifiez la fermeture des églises. Vous planifiez des choses et nous nous tenons dans le sang de Christ, dans le sang de la victoire et nous déclarons, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu, cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Remazota la babrada sarabara la genda, chakata rababrada sorobara la conda rababreta, uriana brada sorobara la katani babrose, chekata yana la babrada sorobara la klo, reda brada selema conda la babrada sla, rababrada sarabara la ka. Vous avez planifié la maladie, la lourdeur, la fatigue. Mais nous nous tenons dans le sang de Jésus. Nous nous tenons sur la victoire acquise à la croix. Et nous déclarons, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Rababrada soro bara la clariana brada sara bara la clo. Rababrada soro bara la katara brada sara bara la ete. Soro bara la soro bara la clariana brada soro bara la ka. Rababrada soro bara la clariana brada sere bara la ka. Shabara katara babrada soro bara la brusla. Shere bara la soro bara la claria na brada sara bara la bru. Reta brada soro bara la claria na brada sara bara la ke. Soro bara la soro bara la claria na brada sere bara la ka. Arra babrada sata la babra. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Re babrada sakata li babrada slori na bra. Alléluia. Rada brada sonda la babra ida slata shindiri de brus. Tu vas lever les mains et tu vas déclarer les choses avec moi dans le nom de Jésus. Nous nous tenons sur la victoire du Christ à la croix. Nous nous tenons sur le sang de Jésus. Nous nous tenons sur ce que Christ a tout est accompli. Nous nous tenons sur la victoire de Jésus. Nous nous tenons sur la victoire. Nous nous tenons sur la victoire. Œuvre des ténèbres qui avait planifié la mort spirituelle, la lourdeur spirituelle, la fatigue spirituelle, l'extinction spirituelle, la rétrogradation de plusieurs. L'abandon de la foi pour certains. Vous qui avez planifié ces choses, je vous regarde et nous vous regardons droit dans les yeux. Je déclare, au nom de Jésus, dis avec moi, cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Au nom de Jésus, toute programmation de mort spirituelle, cette femme restera debout dans la foi. Cet homme restera debout dans sa foi. Ces hommes resteront enfermés dans le Christ. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Au nom de Jésus. Cette femme ne quittera pas la main de Dieu. Cet enfant ne quittera pas la maison de son Dieu. Il s'attachera à son Seigneur. Je le déclare dans le nom de Jésus. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Dans le nom de Jésus. Je te programme. Vos semences. Votre envoûtement. Je l'annule au nom de Jésus. Et je dis, ça n'arrivera pas. Ça n'aura pas lieu. Ça n'arrivera pas. Ça n'aura pas lieu. Au nom de Jésus. Je lève ma main droite dans le nom de Jésus. Tout ce qui a été tramé dans le secret, comme la mort précoce de plusieurs, par des accidents, par la maladie, toute programmation de mort, toute programmation d'accident, toute programmation de handicap, toute programmation satanique. Je me tiens dans le sang de l'agneau de la victoire de Jésus et je déclare avec tout le monde, avec moi, cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu.
toi qui as planifié la mort, toi qui as planifié l'accident, nous nous tenons dans le sang de Jésus, nous te regardons droit. Et je te dis, écoute-moi Satan, écoute-moi démon, écoutez sorcier, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. L'esprit te conduit sur tes frères, ta famille, tes parents. Dieu va te donner des visages. Dieu va te montrer des personnes. Tu peux te voir, tu peux voir ton frère, tu peux voir ta soeur. Et déclare l'esprit de la prophétie est sur toi. Et dis, cela n'arrivera pas. Il ne mourra pas. Il ne va pas mourir, il va vivre. Cela n'aura pas lieu. Cela n'arrivera pas. Cela n'arrivera pas. Cela n'arrivera pas. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je me dresse contre toute programmation de maladie. De maladie. Il y a certains qui, durant toute l'année 2022, ont transporté malaise, malaise, malaise. Et ça perdu à des programmations. Des programmations. Semer la maladie dans le corps de quelqu'un. De paralyser. Je me tiens dans le sang de Jésus. Et nous nous tenons sur la parole de Christ. Le Seigneur dit dans sa parole que nous sommes en bonne santé. Donc cette programmation de maladie ne peut pas venir du ciel. C'est pourquoi nous le déclarons dans le nom de Jésus. Cela n'arrivera pas. La maladie n'arrivera pas. Au nom de Jésus, cela n'aura pas lieu. Ça n'aura pas lieu. Je ne serai pas malade. Ma maison ne sera pas malade. Au nom de Jésus, cela n'arrivera pas. Je me tiens dans le sang de Jésus. Et esprit des ténèbres, je vous regarde droit dans les yeux. Vous qui faites des incantations dans les ténèbres, je le déclare dans le nom de Jésus. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. La maladie ne prévaudra point contre cette maison. Au nom de Jésus, cela n'arrivera pas. Maintenant, déprogramme tout ce qui est maladie. Diabète, sida, cancer, mal d'yeux, mal de ventre. L'Esprit du Seigneur va attirer ton attention sur un mal éventuel. Il va te dire, voilà ce que l'ennemi trame dans le secret comme maladie. Les empoisonnements au travail. Les empoisonnements. Nous les déprogrammons dans le nom de Jésus. Nous déprogrammons là où les gens sont assis dans le secret. En train de planifier la mort, les empoisonnements, les maladies. Nous déprogrammons cela au nom de Jésus. Levaye katarabaya. Chomare katayabaye. Rabraya katarabaya katalabaya katasa katarabra. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Cela n'arrivera pas arriver. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Reba brada sara bara la gloria na brada sara bara la gloria na brada sa shara kata la bara yada ara kata ya bara la sara bata la bara yada Reba brada sura mara la brada au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je mets la confusion dans le camp des esprits qui trament, qui planifient des plans de maladie, des plans. Dans le nom de Jésus, nous venons contre vos œuvres et nous détruisons votre projet. Et nous vous le disons clairement, vos projets n'arriveront pas. Non. Ça n'aura pas lieu. Ça ne va pas arriver même. Vos projets n'arriveront même pas à côté de ma maison. Nous le déclarons dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Ephras Parakandos. Prenda brada seri katalama brada aïdas. Au nom de Jésus. Tout ce qui planifie la confusion professionnelle, sociale dans ta vie. Tout ce qui planifie la pauvreté, l'abaissement, le fait de ne pas travailler. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Ça ne va pas avoir lieu. Est-ce que tu sais ça? Démon, Satan, ça n'aura pas lieu. Toi qui as programmé la perte d'emploi, le chômage, la perte de travail, la destruction des activités commerciales, la fin des entreprises, je te regarde et je dis, ce plan-là, ça n'arrivera pas. Ton plan ne va pas arriver. Ton plan, il n'aura pas lieu. Je te dis, il n'aura pas. Vos plans ne marchera pas. Au nom de Jésus, tu vas déprogrammer tout ce qui est programme de pauvreté, programme de perte de travail, programme de perte d'emploi, programme, tout ce qui est programme, des programmes, les fais-les sauter au nom de Jésus. Re macha kataya bababa. Ra katele ya karabraya. Ro braya katara babraya soro baralaka. Ra ya barakatara babraya soro baralabre. Chorabrea katara babrada sarabara labra. Ramara katala baraya tabrada sarabara labro. Re la brada sorobara la claria da brada sorobara laba. Ye bale katara babrada sorobara labre le lebo. Raba brada sorobara la gloria da brada sarabara la ke. Re bale barra katara babrada sarabara labro. Raida sarabara la gloria na brada sarabara la bro. Raida sarabara la gloria na brada sarabara la bro. Raida sarabara la gloria na brada sarabara la bro. Je vale katara baba yanda la da bra. La braida kata. Arabara ya katara la braida sarabara la kata. Je le ba katara baba yanda. Reba brada sara mara lagla. Dans le nom de Jésus, tout ce qui a été planifié comme destruction, déstabilisation des foyers, des familles, du mariage, des programmes de Dieu pour le mariage, tout ce qui est dans le secret est tramé dans le secret par les ténèbres afin de programmer un célibat qui n'a plus lieu d'être, afin de programmer des manques d'enfantement, afin de programmer toutes sortes de programmes sataniques, maléfiques, toute programmation diabolique contre les familles, contre les familles, contre les foyers, contre les enfants, toute programmation diabolique. Écoute-moi bien, Satan. Tes projets-là, je te le dis au nom de Jésus, cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Je déclare encore une fois, cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Une troisième fois, cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Tu
Tu vas donc élever la voix. Tu vas déprogrammer toute programmation contre ta famille, ton futur foyer, ta maison, tes enfants, tes proches, tes parents. Tout ce qui est planifié pour semer de la confusion familiale. Déprogramme-les. Au nom de Jésus, les bayakatere marabara la soka. Rabakataya rabre sakatara mabraide. Choro marada sokataye marakatara mabradaslo. Breda brada sarabara la gloria na bradasa. Roda brada sarabara la claria na bradasoro marada bro. Raida sorobara la claria na bradasoro. Rera brada sarabara la claria na brada sarabara la cla. Rera brada sorobara la claria na brada sarabara la cla. Rada brada sorobara la bro na brada sarabara la cla. Rera gloria na brada sarabara la claria na brada sor. Rera gloria na brada sorobara la claria. Rera gloria na brada sorobara la cla. Au nom de Jésus, Reda Brada Soro Bara la Catalababro. Roda Baba Baba Sharabara la Soro Bara la Claria Nabra. Reda brada soro bara la claria da brada sara bara la baba 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 che. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je réduis à miettes toute programmation contre ta maison, contre ta famille, contre ton couple, contre tes parents. Dans le nom de Jésus. Il n'arrive que ce que Dieu a prévu. Et ce que Dieu a prévu est favorable. Et ce que Dieu a prévu est favorable. Il arrive ce que Dieu a décidé. Il arrive ce que le Père a planifié. Il arrive ce que Dieu nous donne par la grâce du sang de Jésus. Il arrive ce que Dieu a prévu. Au nom puissant de Jésus, quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Glory back Adam la babra. Glory and babra. Nous allons continuer. Si tu es fatigué, tu peux te rasseoir. Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Amen. Prenda la ramakatari va pros mori anda brada la rica. Chara para la zoro para la brada la zoro. Reda brada slari anda brada la rimaka dolore. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous avons commencé déjà à opérer dans l'esprit du jeûne. Amen. Alors aujourd'hui c'était une journée d'action de grâce. Mais il y avait aussi à l'intérieur un bilan et une repentance. Alors, c'est comment Satan procède pour programmer des choses. Le Saint-Esprit a voulu d'abord nous conduire à proclamer, prophétiser la victoire. Amen. Prophétiser. Prophétiser. Pour ceux qui sont à EDDR, est-ce qu'on a les EDDR ici? Amen. Les EDDR, juste après la prière, nous on se voit. Alléluia. Gloire à Dieu. Ah, il y a un qui dit, mais c'est ça, mais c'est ça. C'est la partie. Là. Amen. Amen. Ceux qui ne sont pas EDDR, on va vous dire bye bye tout à l'heure. Et dans EDDR, je touche tout le monde, un à un. Prière, délivrance, guérison. Amen. Dis à un voisin, il fallait t'inscrire. Je vous donne l'eau à la bouche pour le prochain EDDR. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Alors, aujourd'hui comme demain, on va toucher différentes formes de programmation satanique. On va les déprogrammer dans le nom de Jésus. Et après, la programmation... Pourquoi je ne dis pas le mot reprogrammation? J'aurais dû par exemple déprogrammer, reprogrammer. Pourquoi pas une reprogrammation? Parce que c'est un programme qui existe déjà. Amen. Ce n'est pas maintenant Dieu planifie pour toi des bonnes choses. Ce n'est pas à partir de 2023 que tu vas dire, ah, je me souviens, je vais planifier de bonnes choses pour toi. Non, les bonnes choses, il les avait prévues depuis le début. La Bible dit que le royaume de Dieu, est dans le livre de Matthieu chapitre 13, c'est comme un semeur qui a semé une bonne semence. C'est quoi une semence? C'est une programmation. Amen. Il a semé du blé dans son champ. Il a programmé qu'à telle période,
il allait moissonner le blé. Et la Bible dit que pendant qu'il dormait, un ennemi est venu et a semé de l'ivraie. C'est une autre programmation. Donc le monsieur a programmé le blé, une moisson. C'est ça la Bible dit. Les projets que Dieu a pour nous sont des projets de paix et non de malheur. La destinée que Dieu a pour chacun est une destinée de victoire. Maintenant, d'où vient que des choses viennent polluer, des choses viennent nous détourner de la voie de Dieu? Ce sont d'autres semences sataniques. D'autres semences sataniques. Et la Bible dit que pendant que les gens dormaient, un ennemi est venu, donc le diable, et il a semé de l'ivraie. Et l'ivraie a commencé à pousser et les serviteurs se sont rendus compte que le champ avait été infiltré par quelque chose de négatif. Ça allait faire quoi? Qu'au moment de la récolte, les deux plantes se ressemblaient énormément. En voulant consommer, on allait, au lieu de manger le blé, on allait manger le blé associé avec des choses qui n'étaient pas bien. Par exemple, vous savez, Dieu fait toutes choses par sa parole et par la semence. Et par exemple, Dieu a semé, Dieu déclare une réussite dans tes entreprises, dans ton travail, que l'ennemi à côté vient semer de la confusion. À la fin, tu vas travailler, tu peux être peut-être épanoui, tu peux être content des résultats de ton travail, mais avec trop de conflits, trop de distractions. En fait, d'autres problèmes qui viennent s'immiscer à l'intérieur de ce que Dieu a prévu. D'autres fois, l'ivraie même est capable de noyer totalement ce que Dieu avait prévu, de sorte que tu ne trouves même pas. Il y a par exemple, les plans de Dieu, quand quelqu'un se marie, c'est que la personne soit heureuse, c'est que la personne soit heureuse. Mais l'ennemi peut venir semer quelque chose qui va faire que votre couple sera constamment tendu. Donc, en même temps, tu manges le blé, tu es marié, mais en même temps, tu manges une partie amère dans ton mariage. Ça, c'est comme ça que peut fonctionner une programmation satanique. Elle peut soit essayer d'entraver, d'empêcher ce que Dieu a dit de se produire, ou polluer, ou rendre ça vraiment indigeste, ce que Dieu t'a donné. Donc, pendant que nous sommes en train de déprogrammer, c'est toutes ces choses-là que nous sommes en train de déraciner. Est-ce qu'on est ensemble? Tout ce que le diable a planté, c'est ce que nous sommes en train d'enlever maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Les semences sont des paroles. La semence de l'ivraie est du mensonge. Ou ça peut être aussi des incantations mystiques. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, les premiers types de semences que tu vas déraciner. Dis avec moi, je déracine. Mais pour parler de déraciner, on va citer Jérémie chapitre 1, verset 7. On va lire ensemble Jérémie chapitre 1, verset 7. Lisons ensemble, 1, 2, 3. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche, et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Alors tu constates que Dieu a touché la bouche du prophète. Il a touché la bouche. Parce que tout va se faire par les paroles. C'est par la parole qu'on arrache et c'est par la parole qu'on plante. On arrache quoi? Ce que l'ennemi a semé. On arrache les maladies qu'il a planifiées. On arrache les accidents qu'il a planifiés. On les arrache dans le nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Mais Dieu a dit d'abord au prophète, l'esprit, je mets mon esprit sur toi. Tu vas te tenir debout. Amen. La première partie, on avait prophétisé ce qui allait se passer. Maintenant, on va rentrer dans cette dimension à partir de ce soir et les autres soirs maintenant pour aller enlever, arracher. Alléluia. Pendant ces différentes nuits, pendant cette période de jeûne, l'Esprit va vous montrer les choses qui doivent être arrachées. Et il faut que vous ouvriez la bouche pour le déclarer, pour le confesser, que j'arrache ça. J'arrache ça. Il va ouvrir, il va vous montrer des situations cycliques. Alors, il y a deux choses. Il va montrer des situations cycliques. Il va dire, il faut que tu arraches les problèmes récurrents. Il faut que tu les arraches. Parce que la programmation de Dieu, c'est que tu avances. Et tu vas réaffirmer, reconfesser ce que Dieu a dit. Alléluia. Amen. Mais au départ, Dieu dit ceci. Avant de oindre, il va dire, n'aie pas peur. Il dit, ne dis pas,
Je suis un enfant. Vous savez, lorsqu'on arrive à ce genre de prière, beaucoup de personnes se sentent disqualifiées parce qu'elles se retrouvent immatures sur le plan spirituel. Elles estiment qu'il faut le pasteur pour prier pour elles. Que si elles n'ont pas, si elles-mêmes elles déclarent, ça n'est pas efficace. Il faut que je voie le pasteur pour que je lui explique cela. Non. C'est pourquoi il commence. Donne-moi le texte à l'écran parallèlement. C'est pourquoi il commence en disant à Jérémie, ne dis pas je suis un enfant. Ne dis pas je suis trop faible. Ne dis pas ça. Ne dis pas non. Si le pasteur Sanogo n'a pas prié pour moi, ça ne peut pas marcher. Ne dis pas ça. Ce n'est ni par ta force. Ce n'est pas une affaire d'âge. Mais c'est par sa grâce et c'est par sa force toute puissante que les paroles que tu vas déclarer seront puissantes par la vertu de Dieu et qu'elles vont renverser les programmations de Satan et qu'elles vont planifier les choses de Dieu. Amen. Ne dis pas je suis un enfant. Amen. N'aie pas peur. Aie confiance en Dieu. Ne mets pas ta confiance en toi-même, mais mets ta confiance dans le Seigneur. Je vous ai dit le dimanche que tout est grâce. Dieu t'a regardé et il a décidé de te faire grâce, de pardonner tes erreurs, de pardonner tes péchés. Ça s'appelle la miséricorde. Ce n'est pas quelque chose que tu mérites ni par ton âge, ni par tes années, mais c'est le choix délibéré de Dieu selon sa bonne volonté de te donner la victoire. C'est lui qui a inspiré ce programme. C'est lui qui t'a dit de venir à ce programme. Alors s'il te dit de venir, fais ce que tu dois faire et crois qu'il est capable. Alléluia. Un des passages que j'ai oublié de lire dans Ésaïe chapitre 7, verset 7. Quand vous continuez Ésaïe chapitre 7, verset 8, 9, 10, il dit là-bas, à un moment donné, il dit, si vous ne croyez pas, vous ne pourrez pas résister. Il faut que vous croyez en lui. Il faut que vous croyez dans la parole. Tu dois croire dans cette parole. Alléluia. Alors on va prier le Seigneur, tu vas prier Dieu, tu vas dire Saint-Esprit, merci parce que tu me réconfortes, tu me fortifies, je suis fort en toi, je suis fort en toi, je puis tout par celui qui me fortifie. Et tu vas prier et à un moment donné je vais te donner l'ordre de mettre la main sur la bouche, alléluia, et l'onction du Seigneur va venir sur ta bouche, la puissance va venir sur ta bouche. Et à compter de cette soirée, pendant les 7 jours, tu auras une bouche du prophète, alléluia, tes paroles seront puissantes. Quand tu vas dire j'arrache, dans le monde invisible, le bras de Dieu arrive là-bas et puis ça arrache la chose. Alléluia. C'est ce qu'il dit au prophète. Il dit, je t'établis aujourd'hui pour arracher. Dieu t'établit aujourd'hui pour arracher. Alors, il t'établit comment? Parce que tu as confiance en lui. Amen. Ne regarde ni ton âge, ni ta maturité spirituelle, ni tes années, ni tes manquements, mais regarde à sa force toute puissante. Nous nous appuyons sur sa victoire. Nous ne nous appuyons pas sur notre piété. Nous nous appuyons sur la victoire de Jésus. Jésus a tout gagné. Est-ce qu'on est ensemble? Regarde encore. S'appuyer sur Jésus, c'est comme quoi? Chaque fois, je le chante dans les chants. Amen. Est-ce que toi, tu peux t'envoler? Tu peux voler? Voilà. Mais quand tu montes dans un avion, tu ne t'appuies pas sur ta force. Tu t'appuies sur la capacité de l'avion. Et c'est parce que tu es dans cet avion-là que tu sais que tu seras transporté pour arriver à destination. Tu mets ta foi dans l'avion. C'est pareil. C'est pareil avec Jésus. Tu ne mets pas ta confiance dans tes capacités, dans tes heures de prière, mais mets ta confiance en lui. Il dit, j'ai vaincu le diable. Toi, tu rentres en lui. Donc, le diable est vaincu. On ne te demande pas. On te dit que tu dis, je veux voyager, je veux partir au Bénin en avion. Tout ce qu'on te demande, rentre dans l'avion et puis assieds-toi et puis mange. Sois tranquille. Alléluia. Voilà. Il y a des gens, ils sont dans l'avion de Jésus et puis ils veulent faire voler l'avion. Donc ils sont dans les allées de l'avion et puis ils marchent seuls. L'avion ne va pas tomber. Tu n'as rien à faire. Seigneur, tu gesticules trop. Jésus a déjà tout accompli. Amen. Jésus a déjà écrasé Satan. Quand le fabricant de l'avion a fini de fabriquer l'avion, il lui a déjà tout donné, les capacités de s'envoler, d'aller au-dessus des montagnes, tout est là-dedans, tu en as. Et puis il te dit, l'avion est certifié, validé. Les experts sont venus, ils ont validé. On dit que l'avion là, il vole avant qu'on le mette en circulation. Dieu a déjà tout certifié. Que Jésus a vaincu tous les démons. Il a vaincu le diable. Il a vaincu Satan. Il a vaincu. C'est déjà certifié. Tout ce qu'on te demande, prends ton papier d'identité, c'est-à-dire donne ta vie à Jésus. Alléluia. Prends l'identité des chrétiens. Amen. C'est ça le visa pour entrer dans l'avion. C'est ça le passeport pour monter dans l'avion. Alléluia. Tu dois naître de nouveau. Amen. Tu prends le passeport. On te présente à l'entrée. On dit, tu peux rentrer. Pourquoi tu veux rentrer? Oui. Parce que je suis une nouvelle créature en Jésus. J'ai dit à Jésus, entre dans ma vie. Et tu t'assois dans l'avion. Amen. Et tu laisses. Mets ta confiance en lui. Mets ta confiance en lui. Ce n'est pas parce que tu es fort, ce n'est pas parce que tu es intelligente, ce n'est pas parce que tu pries 20 heures, ce n'est pas parce que tu jeûnes.
C'est parce qu'il a vaincu que tu as la victoire. Alléluia. C'est sa victoire que tu prends. Prie, élève la voix vers le Seigneur pour dire, Seigneur, je m'appuie sur toi. Je mets ma confiance en toi. Je m'appuie sur toi. Élève la voix, parle. Prie d'Azarabara la gloria d'Abrada Sorobara la bra. Rakatari babrada Sorobara la gloria d'Abrada sa. Roda brada Sorobara la gloria d'Abrada Sorobara la ca. Reba brada Sorobara la catarra babrada Saramara la bro. Rianda brada Salama catari babro da Sarianda brada se. Rianda brada Sorobara la conda la babaya catari mabre. Sorobarianda brada Sorobara la gloria d'Abrada sere. Alla cateria da brada soro bara la gloria da brada se. Shobara catiri mara la sota la babra yan catala. Rianda brada soro bara la catala be. Shoga da la riandoro maria da brada sere mara la conta la babia. E renda la babruia catara babra da soro bara la che. Shokataria da brada soro bara la clo. Seigneur, merci parce que tu nous as fermé notre foi en toi. Tu as fermé notre foi en toi. Tu as fermé notre foi en toi. Tu nous donnes ta paix. Tu nous donnes ta tranquillité. Tu nous donnes ta sérénité. Merci de nous remplir de la du calme intérieur. Merci de la victoire que tu nous donnes. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus. Maintenant, lève la main droite. Tu vas mettre la main. Quand je te donne l'ordre sur la bouche. Pour l'esprit de la prophétie. Père céleste, Dieu vivant. C'est toi qui nous as dit que tu donneras à tous sur toute chair. Les paroles de prophétie, la prophétie. Aujourd'hui encore, Saint-Esprit, nous voulons ton onction pour opérer dans le prophétique, dans le surnaturel. Que le prophétique, que ton prophétique vienne nous donner des songes, des visions, des orientations. Vienne éclairer nos yeux quand nous allons méditer ta parole. Afin de nous montrer, de nous orienter vers ce qu'on doit arracher. Et de nous orienter, de nous conduire vers ce qu'on doit planter. Jésus, nous avons besoin de toi. Nous savons que la victoire est en toi. Nous voulons marcher par toi. Esprit du Seigneur, esprit de la prophétie. Esprit prophétique, viens sur tes serviteurs, viens sur tes servantes, viens sur nous. Merci parce que Saint-Esprit, l'onction prophétique est là. Tu nous rends prophètes. Tu nous rends prophètes par ta grâce. Tu nous rends prophètes. Oui, serviteurs, servantes de Dieu, laisse l'onction de la prophétie est sur toi. Tu vois, la main que tu as levée touche le troisième ciel. Et la gloire du prophétique vient sur toi. Maintenant, maintenant. Tu es loin du prophétique. Maintenant, tu vas amener sept fois la main du haut vers la bouche au nom de Jésus. Sept fois, tu fais ça sept fois. Sept fois, la main du haut vers la bouche. Sept fois, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que ta bouche prophétise. Que le feu soit sur ta langue. Que la puissance soit sur ta langue. Que tes paroles deviennent des paroles tranchantes. Que tes paroles deviennent des paroles efficaces. Que tes paroles soient prophétiques. Que le feu soit sur ta langue. Que le feu soit dans ta bouche. Que la vie jaillisse de tes lèvres. Que la vie divine jaillisse de tes lèvres. Et que le prophétique soit ton héritage, ton partage. Maintenant, dans le nom de Jésus, sois loin du Saint-Esprit. Sois loin du Saint-Esprit. Sois loin du Saint-Esprit. Et opère dans le surnaturel. Opère dans le surnaturel. Opère dans le surnaturel. Opère dans le surnaturel. Au nom de Jésus. Alléluia. Acclame Jésus. Et ce soir, on va terminer avec le dernier sujet qui était dans le bilan, la repentance. Une des premières semences de l'ennemi à ôter, c'est le péché. Avant d'attaquer les sorciers, la première programmation du diable, c'est de te faire pécher. Une fois que tu as péché, une fois que tu es dans la désobéissance, la Bible dit, Hébreux chapitre 12, il dit ceci, recherchez la paix et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Tu vas prier le Seigneur pour ouvrir la bouche et confesser. Les premières victoires, c'est confesser la méchanceté, confesser le mal. Pendant que tu vas prier, que l'esprit de la prophétie mette le doigt sur s'il y a un péché, une iniquité qui caractérise qui est dans ta vie. Et tu vas demander à Dieu pardon, tu vas confesser et tu vas arracher ce mal-là de ta vie. L'esprit de la prophétie est venu sur toi pour que tu arraches. Tu arraches. Si dans ta vie, il y a le mensonge et que le mensonge a caractérisé ton année, tu vas dire Seigneur, dans l'année 2022, là, j'ai beaucoup menti. Pour m'en sortir, j'ai fait des choses, j'ai dit des choses que je n'aurais pas dû dire. Tu vois? Donc, ce genre de paroles,
Là, ce n'est pas l'incantation de quelqu'un. C'est toi-même qui utilises tes propres lèvres pour semer et pour programmer l'éloignement de Dieu. Donc, déprogramme ça. La Bible dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Ça aussi, c'est un don de Dieu. Et c'est un don dont tu ne dois pas te priver. Confesse-lui tes péchés et il te pardonnera. Ne crois pas qu'il te juge. Il te dit simplement, il y a dans mon sang la grâce du pardon. Alors si quelqu'un d'autre est là, qu'il n'a pas donné sa vie à Jésus, c'est la première repentance, te convertir. Alléluia. Amen. Recevoir la vie du Christ, recevoir le Christ en toi, recevoir Jésus dans ta vie. Tu dois recevoir le Christ dans ta vie. C'est la première déprogrammation. Enlever les semences de l'ennemi et semer la vie divine en soi. Amen. Alors tu vas t'approcher du Jésus, tu vas t'approcher du Seigneur. Et l'esprit de la prophétie est sur toi. Il va te mettre le doigt sur le péché, sur l'iniquité, sur la non-conversion qui te programme à un éloignement de Dieu. Ensemble, élevons nos voix et prions le Seigneur. Humilions-nous devant le Seigneur, notre Dieu, qui nous révèle, si nous ignorons, si nous l'avons oublié, si nous ne le savons pas, tout péché, toute iniquité dans nos vies. Ensemble, élevons la voix. Parlons à Jésus. Seigneur, nous venons devant toi. Jésus, parle de ton cœur. Prie le Seigneur. Jésus, nous venons devant toi. Nous nous tenons devant ta face. Père, toi qui sondes les cœurs et les reins, toi qui vois les choses cachées, oh Dieu, je te supplie, envoie dans nos cœurs un esprit de conviction, de péché, de justice, Seigneur Dieu, afin que nous voyons les choses que tu désapprouves en nous, afin que nous voyons ce qui est une semence de l'ennemi dans nos vies, Père, afin que de voir ce que nous avons laissé entrer dans nos vies par le péché. Jésus, lave-nous par ton sang. Jésus, purifie-nous par ton sang. Jésus, délivre-nous de la colère. Jésus, délivre-nous du mensonge. Délivre ton peuple de l'impudicité. Délivre ton peuple de la compromission. Délivre ton peuple de l'adultère. Pardonne à tes enfants l'adultère. Pardonne le mensonge. Pardonne le vol, les magouilles et les tricheries. Pardonne Saint-Esprit. Éloigne-nous de ce mal. Éloigne-nous des semences du diable. Jésus, purifie ton peuple. Père, je te supplie, à cause de ta grâce divine, convainc nos cœurs de péché du tout et justement. Ne permets pas ce que le péché soit dans ta maison. Ne permets pas ce que le mal soit dans ta maison. Père, je t'en supplie dans le nom de Jésus. Fais-nous grâce, Saint-Esprit, toi qui convainc les cœurs. Délivre-nous de ces liens, délivre-nous de ces chaînes. Je prie contre les esprits de masturbation, de débauche sexuelle, de dépravation sexuelle. Je prie, Saint-Esprit, afin que tu nous délivres de l'esprit de la drogue, de la cigarette, de tous ces esprits qui détruisent les corps, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, convainc les cœurs de péché, de justice et de jugement, et montre à tes serviteurs, à tes serviteurs, à tes enfants, les œuvres qu'ils doivent abandonner, les œuvres que nous devons abandonner. Jésus, délivre-nous des mauvaises œuvres. Jésus, délivre-nous du mauvais caractère. Jésus, délivre-nous de la colère. Jésus, délivre-nous de l'orgueil. Jésus, délivre-nous de la fausseté. Jésus, délivre-nous de l'hypocrisie. Et accorde à ton peuple ta justice, le don de la justice, le don de la sainteté, le don de marcher intègre, le don de marcher avec toi. Seigneur Dieu, ordre de nos vies ce qui n'est pas de toi. Ordre de nos vies la paresse. Ordre de nos vies la lourdeur. Ordre de nos vies la méchanceté. Seigneur Dieu, je te supplie. Voici l'Église, voici ton Église, voici ton peuple assemblé partout dans ce monde et participant à ce moment de prière. Que ton sang vienne nous laver, que ton sang vienne mettre en nous le dégoût du mal et le dégoût du péché. Que la crainte de Dieu nous envahisse et qu'elle nous dirige. Père, nous voilà devant toi. Merci Seigneur pour ta grâce. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, que le sang de Christ te lave de tout péché, que le sang de Christ te purifie de tout péché. Que toute semence de péché en toi soit ôtée dans le nom de Jésus. Que toute programmation prévue par le péché dans ta vie soit nulle et sans effet dans le nom de Jésus. Tu es délivré de toute œuvre ténébreuse au nom de Jésus de Nazareth. Que le sang de Christ te lave et te purifie au nom de Jésus. Quelqu'un acclame le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Donne un bon amen à Jésus. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Donc demain c'est quand vendredi, c'est ça? Demain soir, nous nous retrouvons encore pour notre soirée de prière. Amen. Voilà. Donc de 18h30 jusqu'à 20h30,
Nous allons nous retrouver, amen, pour prier. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et on va progressivement aller vers les déprogrammations et les temps de délivrance, de guérison. Amen. Plusieurs vont être délivrés. Cette nuit même, tu vas être délivré de beaucoup de choses. Tu vas être délivré. Parce que ta prière a été puissante. Alléluia. Certains vont voir ce que l'ennemi avait programmé. Tu vas voir qu'un accident va te rater de justesse. Tu vas te dire, tu vois, l'ennemi avait planifié un accident et tu viens de t'échapper comme ça. Ta prière t'a sauvé. Et la prière a sauvé aussi toi et qui nous suit en ligne. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Alléluia. On va rendre grâce à Dieu pour ce moment. On va lui apporter nos offrandes. Nos offrandes. Amen. Et donc, pour tous ceux qui nous suivent, comme vous savez, bon, pour EDDR, on se retrouve donc tout à l'heure. On se retrouve tout à l'heure. Voilà. Pendant que les paniers des offrandes passent, EDDR, on se retrouve tout à l'heure. Et on se retrouve demain matin. On a vraiment des moments intenses de prière. Amen. Voilà, je serai là, passer toute la matinée avec vous, avec les pasteurs et toute l'équipe de prière. Et on va aller jusqu'à 11h. Amen. De 5h du matin à 11h. Je suis trop content du mois de demain. Là. Alléluia. Voilà, amen. Et puis ça sera donc la fin, par la grâce de Dieu, de notre première édition de EDDR. Amen. Voilà. Et le soir, on va se retrouver ici pour notre temps de jeûne et prière. Amen. Et le week-end, bien sûr, on a nos différents cultes. Alléluia. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Laissez la parole aux dirigeants pour les éléments de la fin. Quelqu'un acclame Jésus pour ce bon moment. Alors, vraiment, soyez sensibles au Saint-Esprit. Soyez sensibles à vos méditations. Méditez dans le dévotionnel. Méditez les textes qui sont prévus dans le carnet de jeûne. Il est accessible, il est gratuit, il est accessible pour tous. Okay? Il faut aller sur la page internet de l'église, dans les groupes WhatsApp, il sera disponible. Donc il faut aller là-dessus, il faut prier en fonction des versets, en fonction des textes. Il faut prier aussi en fonction des textes à méditer dans le dévotionnel. Et Dieu va te parler, il te parlera par des songes, par des visions, il te parlera par des visions, il te parlera par sa parole. Et cela va t'orienter à savoir comment arracher. Donc on est dans le moment de jeûne, donc restez concentrés toute la journée. Amen. Même jusqu'au soir, pendant les 7 jours, restez focus. Ne vous laissez pas distraire. Le jeûne efficace, ce n'est pas seulement de ne pas manger, mais c'est de ne pas se livrer à ses penchants. Amen. Et pour rester focalisé dans la prière et en train d'écouter Dieu, soyez sensible au Saint-Esprit. Dieu va beaucoup vous parler. Plusieurs vont recevoir clairement la vision. Quand on va arriver dans la programmation semaine prochaine, ils vont voir l'année 2023. Dieu va te parler comme ça, mois après mois. Voilà, voilà, voilà. En tout cas, les éléments majeurs. Amen. Et tu vas être capable de déclarer ces choses-là avant qu'elles n'arrivent. Alléluia, pour qu'elles arrivent de manière effective. Donc, soyez vraiment sensibles à l'esprit, soyez vraiment dans la prière, parce que c'est l'esprit de Dieu m'a recommandé ce moment-là. Amen. De déprogrammation et de programmation et un temps intense de prophétie. Soyez bénis au nom de Jésus. Donc, la parole aux dirigeants. Été béni comme moi, est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur Jésus? Amen. Alors nous allons prier pour les offrandes. Tant Père, nous te bénissons. Merci pour l'occasion et la grâce que tu nous donnes de pouvoir apporter au roi des rois que tu es, à celui à qui tout appartient. Oh Dieu, merci d'agréer ces offrandes et de les bénir au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alors nous allons donner quelques informations complémentaires. Donc comme le pasteur Mohamed l'a dit tout à l'heure, notre jeûne et prière continue demain. Alors le programme de demain, nous aurons une matinale de prière de 5h à 6h dans les GEM. Et demain midi, nous nous retrouverons au centre Kodesh à partir de 12h30 jusqu'à 14h pour notre temps de prière, et demain soir à partir de 18h au centre Kodesh. Amen. Alors en ce qui concerne les cultes du week-end de Noël, nous précisons que nous aurons 3 cultes. Donc le premier culte aura lieu le samedi 24 décembre, d'accord?
Et les deux autres cultes auront lieu le dimanche 25. Donc le premier culte du dimanche 25 aura lieu de 7h à 9h et le deuxième culte de 10h à 12h. Nous encourageons en tout cas le plus grand nombre de personnes à venir participer à ces trois cultes. Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous allons nous lever et terminer par la prière. Tendre Père, nous te bénissons et nous voulons te rendre grâce. Merci pour ta force, ta présence, ton esprit qui nous a conduits tout au long de cette journée. Maintenant que nous finissons ce moment de prière, te demandons au Dieu de nous donner la force nécessaire, Seigneur, de nous maintenir dans cette atmosphère de prière, Seigneur, d'être attentif à ta voix et de nous conduire encore jusqu'à la journée de demain, de venir nous fortifier par ton esprit, Seigneur, afin que, ô Dieu, nous puissions t'offrir un moment que tu agrées comme un parfum de bonne odeur. Que ton nom soit béni. Merci de conduire chacun de nos pas pour ceux qui rentrent et de nous donner encore ton esprit pour le temps de prière que nous allons avoir avec EDDR. Que ton nom soit béni. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié et nous répondons. Amen. Excellente soirée.